Retour monde, après la vidéo Adopt Me que j'étais en train de tourner ce matin, donc du coup j'ai décidé de faire une nouvelle émission, oui, assez bizarre. C'est la reprise de Money Drop, mais en mode un peu bizarre. Donc avec les pets Adopt Me, ce que ça donne, Drop Me. Donc je vous passe le générique et je vous dis à tout de suite. Plus tôt dans la journée, les pets Adopt Me sont fait kidnapper par des voleurs dans une banque. Un faucon blindé les a suivis en suivant qu'il y a 6 pets qui ont été suivis à la traîne. Ces 1 million de pets vont être peut-être emportés à 3 duos de pets qu'il faudra les garder. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Drop Me. Donc, c'est parti. Oui, on allait commencer tout de suite. Oui, j'ai eu un problème de caméra. Donc voilà les 6 pets qui ont été sauvés par ces bandes de braqueurs. Donc les voilà. Donc on en a. Ça fera 3 duos. Donc les voici en tout. Donc on en a 3. Donc on a le Shiba Inu et le petit lion. Le lynx et le petit meerkat. Et pour terminer, la girafe et le buffalo. Donc, le but de ce jeu est simple, c'est de libérer des pets Adopt Me possibles. Mais attention, hein, il faut répondre à ces questions de la mort. Non, je rigole, il ne faut pas faire des questions, mais il faut faire des épreuves. Attention, ça va être assez épique. Donc, aujourd'hui, on va faire, en gros, donc, 2 épreuves est égal à un duo, comme ça. Pour que ce soit rapide, on ne va pas faire 1 million de trucs aujourd'hui. Donc, c'est parti, on va commencer par le premier duo, ces deux-là. J'espère que les travaux vont pas me gêner parce que sinon je sortirai jamais cette vidéo. Mais bon, allez, du coup, c'est parti. Donc, la première épreuve est assez simple, entre guillemets. C'est entre guillemets, oui, c'est des épreuves hein, parce que dans Money Drop, c'est des questions, etc. Mais on va pas les faire. Donc, c'est de sauter sur le Bambi. Ouais, ce qui est pas très simple, mais il faut rester. Dessus, hein, pas tomber seulement. Donc on va voir. Hein, bon, ils ont 4 essais chacun. Et après on verra si l'épreuve a été comptée. Et si des pets Adopt Me ont été sauvés. Bon, déjà ça part mal. Les 2 premiers essais ont été pas fructueux. Ouais, ils tombent tous les uns après les autres. Oh là 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 là, le Shiba Inu a résisté et le lion est tombé. Alors voyons voir si l'épreuve est réussie. Oh là, je fais n'importe quoi là, j'ai mal fait mon truc. Alors, suspense, je vous laisse le suspense jusqu'au bout. Tac, ta. Selon, donc c'est pas ça, validation. C'est quoi validation? Bon, c'est pas, bref. Donc, on va voir le suspense. Donc, attends, je me prépare. Mince, il n'y a pas la musique. Bon, tant que la musique n'est pas là, c'est pas confirmé, mais ils ont réussi l'épreuve, ça c'est sûr. Regardez, ils ont sorti le squid de leur œuf des cambrioleurs. Bravo, le Shiba et le lion, bravo à eux. Voilà, donc c'est validé l'épreuve, donc c'est bravo à eux. Donc comme c'est une grosse peluche, ça vaut 2 points, bravo à eux. Donc on va passer à la prochaine épreuve. La prochaine épreuve n'est pas impossible non plus, donc en gros il faut tabasser le T-Rex. C'est parti. Et on a 4 coups pour l'éliminer. C'est parti.
Oh là 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 là, c'est dur. Oh là là, mais ils essaient des techniques, ils ont eu des relances. Ils tabassent le T-Rex. Voyons voir si c'est validé. Et oui, l'épreuve est validée. Bravo à eux, donc ils ont gagné 4 points grâce à encore une grosse peluche qui a été choisie au hasard. Bravo à eux. Bon, on va faire un petit peu de bazar, donc ils ont gagné 4 points. Bravo à eux. Donc on va passer à la prochaine équipe. Donc l'équipe du Lynx et du Meerkat. Donc ça, c'est cela. Oui, bon, parce que c'est que des gros œufs, hein, donc c'est 2 points, entre guillemets. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi des gros œufs avec rien du tout. Donc, ils peuvent gagner rien. Voilà. Donc, même si les épreuves sont validées, attention. Donc, c'est parti. Passons à la prochaine épreuve avec ces petits gars. Regardez, le lynx incroyable, hein. Par contre, il a une sale tête. Et le petit meerkat stylé. Donc, la prochaine épreuve, donc rien de plus simple. Regardez cet immeuble incroyable. Bon, allez jusqu'en haut. Ça va pas être simple, mais bon, on va essayer. Regardez le meerkat. Le lynx a failli réussir, mais ce n'est pas le cas. Oh, le meerkat, il a failli faire une chose imprenable. Le lynx non plus, il a failli réussir. Mais il touche le bout des doigts, hein. Allez, vas-y. Encore le lynx. Et le lynx a réussi. Bravo à lui. Et le meerkat, il était pas loin. Bon, voyons voir si il y a quelque chose ou rien du tout dedans. Et oui, bravo à eux. Nickel, ils ont réussi l'exploit, ils ont libéré la hauteur. Bravo à eux. Donc on va passer à la deuxième épreuve. Une épreuve très complexe, donc il faut rentrer dans la poche de Picurou. Regardez son panda qui est sorti. Donc c'est parti. Donc ils ont comme d'hab 4 chances. Donc voici le meerkat qui va commencer en premier, comme le lynx a réussi l'épreuve. Oh, du premier coup, regardez la scène au ralenti. Il se réceptionne parfaitement. Mais le lynx, il n'y croit pas de ses oreilles parce qu'il veut essayer un truc plus loin. Ça passe pas. On va essayer encore. Et oui, du deuxième coup, pile poil dedans. Donc, du coup, 2 fois plus de chances de remporter l'épreuve. Voyons voir. Non, de récupérer un pet, bien sûr, pas l'épreuve. Hein. L'épreuve est réussie, mais on ne sait pas s'il y aurait quelque chose à l'intérieur. Non! Il y a pas la musique. Bon. Tant qu'on n'a pas la musique, on ne peut pas attendre. Mais c'est toujours 20 secondes! Bon, tant pis, on doit survivre 20 secondes de l'enfer. Je me demande, est-ce que cet œuf est vide ou plein? Vu l'apparence, je dirais qu'il est plein.
Donc celui qui est vide, il rapporte pas de points. Ouais. Donc ce qui est vraiment pas de bol. Ouais. Non, attends, je vais essayer de chercher la musique. Bon, je ne trouve pas des fêtes. Des fêtes, il n'y a pas des fêtes. Éliminé, voilà. Aïe, 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 il n'y a pas de pets à l'intérieur. Dommage, donc le lynx et le meerkat donnent 0 points. Aïe, 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 aïe. Mais vous inquiétez pas, il reste encore un duo à passer. Il nous reste le buffalo. La girafe, c'est poli. Vous inquiétez pas, dans la prochaine émission, on aura des nouveaux pets. Oui, on donnera 6 de plus. Oui. Ou dans les épisodes spéciaux, on donnera jusqu'à 4 ou 5 équipes. Ça serait pété. Donc, voici donc le buffalo et la girafe qui se mettent ensemble pour réaliser les épreuves. On va commencer par la première tout de suite. Moi, je le dis avec un accent pourri, mais bon, c'est pas trop grave. C'est pas le petit. Alors, je réfléchis à quelle épreuve ils peuvent participer. Oui, je sais, c'est un peu chelou. Vroom! La voiture de la Team Rocket est arrivée, mais le but est très simple, c'est de passer à travers ce petit trou dont les plus agiles peuvent rentrer, dont la girafe peut rentrer sans problème. Démonstration. Aïe aïe aïe, la girafe ne rentre presque pas. Parce que le travail d'équipe a passé, mais non, le buffalo défonce tout. Deuxième item. La girafe passe. Et le buffalo se brûle les méninges pour passer, mais il est trop gros. Regardez, à chaque essai, il se penche en avant ou en arrière. Mais là, il passe. Donc, l'épreuve est validée. Voyons voir si l'œuf est plein ou vide. Oh non, pas la perceuse. Oui, bon, là, Money Drop a carrément pété un câble. Mais en anglo, quoi? Désolé, ça va prendre beaucoup de temps. Veuillez attendre pendant quelques instants. Bon, du coup, je disais, oui, donc, du coup, du coup, c'est parti pour voir si l'œuf est vide ou plein. Allez, go. Non! En espérant qu'ils ont descendu encore. Hein. Oh, tant pis. On va encore attendre. Je sais que l'épisode est quand même long. Mais on va quand même essayer de faire vite. De toute façon, c'est le dernier du jour. Non, c'est pas la bonne. C'était une feinte, hein, les amis. Aïe aïe aïe, y a rien dedans, dommage, du coup, pas de points pour eux.
Oui, c'est bon, hein, calmez-vous avec la musique. Donc c'est parti, on va passer à la prochaine épreuve. Du coup, pour terminer la dernière épreuve donc de ce défi gargantuesque, non, c'est pas un défi, mais c'est une émission gargantuesque, je voulais dire, c'est de faire attention. Vous vous souvenez des animaux croquants de Mission Gliverse, ici, de retour. Voilà, les animaux croquants sont de retour parce qu'ils ont des dents, voyons. Moi, je te déteste. Qu'est-ce qu'il y a? Je te hais. Ouah! Non, c'est bon, calme-toi. Donc, du coup, je disais. Donc, du coup, ce sbire, hein, s'appelle Grand Mimi. Grand Mimi, pas content. Oui, je sais, c'est mon grand Mimi. Donc, du coup, je disais, donc, il faut éviter de se faire manger par grand Mimi en sautant par-dessus. Oui, non, en le tuant, tout simplement. Mais le but, c'est le frapper en plein cœur. Voilà, vous avez la technique. Bon, grand Mimi, passe en mode énervé. Si tu peux rester comme ça, voilà. Donc, voilà, passe en mode énervé. Et donc, c'est parti, on va commencer par la girafe. Ah, d'accord, regardez la scène au ralenti. La girafe a tapé sur la bouche et ça l'a remis en mode normal. Du coup, il a un point faible et le buffalo le tape, mais ça n'a pas suffi. Le grand Mimi passe à nouveau en mode colère. Ça passe pas. Le buffalo tape, mais ça n'a pas suffi. Et donc, il tape les deux en même temps, ça n'a pas suffi. Mais le buffalo est guidé. Il tape en plein dans sa bouche et c'est gagné! Bravo! Donc voyons voir si le dernier œuf est plein ou non. Voyons voir ça. Attends, je vous inquiétez pas, hein, ça c'est la boîte noire. Attention. Et oui, il y a quelque chose. Bravo à eux. Donc ils ont gagné un petit point. Donc ce qu'ils nous ont fait, donc en gros, l'équipe Lynx et Buffalo sont égalité avec un point. Et la première équipe, donc Shiba Inu et Lyon, ont remporté 2 points. Bravo. Mais vous inquiétez pas, c'est pas fini parce que oui, dans cette épreuve, c'est un mélange littéralement des 12 coups de midi plus de money drop. On va passer à l'œuf mystère, l'œuf incassable. Donc, dans un temps imparti, les pets, donc gagnants, doivent essayer de péter l'œuf gagnant. Voilà, il est là. Donc, il faut, comme ça, il touche la cagnotte qui est de. Près de 10 pets, ce qui est incroyable. Donc c'est parti, on va laisser le suspense et c'est parti. Bon, pas le casser, mais le casser à la fin de la musique, entre guillemets. Oh non, pas Swiffer. Allez, vas-y. Attention, deuxième chance parce que oui, il y a 2 pets. Aïe aïe aïe, l'œuf s'est fissuré un peu, mais ça n'a pas suffi. Sinon, le lion aurait dû recommencer. Non, et le Shiba Inu non plus. Regardez, l'œuf, il est vraiment incassable. Mais le seul moyen, c'est de retrouver son point faible. Et là, bam! Vous voyez, il explose en 1000 morceaux.
Et donc, du coup, ils n'ont pas réussi à récupérer la cagnotte. Dommage. Donc, quand même, c'est les gagnants de cette émission. Donc, attends. Du coup, avant que je range, il faut quand même que je dise la fin de ces vidéos. Donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo sur Drop Me. Donc, c'est une nouvelle émission assez. Oula. Ouais, faut que je me dépêche pour l'outro. Donc, du coup, c'est un épisode à couper le souffle, entre guillemets, parce que ça va bien souffler pour beaucoup de gens. Et quand même, c'était une très belle émission. Ouais, c'est bon, la perceuse. Donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, j'espère que vous aura plu. On se retrouve, donc, du coup, demain pour la suite de Adopi. Et n'oubliez pas, tchuss!